passant déjà de perdu à pourrir en prison. Mais un gars de dehors lui a dit que Jésus était la seule solution. Acceptation du sauveur, élimination de rancœur. Depuis ce jour, il sait que Jésus est Seigneur. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour trois fois saint. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour trois fois saint. Relève-toi, le Bronx, Brooklyn, Harlem, la même haine qui traîne. Dégaine ton gun si tu veux que le gang te prenne. Bise de coke de tout chargé dans le barillet. 16 piges tu kiffes et t'es déjà prêt à tirer. Teen meurtre, viol, vol, alcool. Voilà ce qui fait en sorte que tu décolles et que tu retombes aussi vite au sol. Engrenage dans la spirale, je t'engage. Comme prisonnier dans une cage, je partage et tu cultives la rage. Mais la route tourne et un jour faut tourner la page. C'est dur de faire le premier pas et enfin tu vois la voix du sage. Et ce jour est venu, ce jour où Dieu voulut te montrer la bonne voie. Et que la seule solution c'est Jésus. T'avais honte devant le très haut, mais il a réparé tes fautes. Tes conneries les plus hard, sa grâce t'a monté la côte. Il s'est relevé, le tout puissant l'a pardonné. Il s'est relevé, le tout puissant l'a pardonné. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour trois fois saint. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour trois fois saint. Relève-toi. Il est assis sur les marches du garage, la tension est palpable, le shit dans sa tête fait rage. Il n'arrive même plus à trouver les clopes dans son paquet. Toute la journée il a été défoncé. Je sens la colère qui monte au fur et à mesure que le poison monte. Manque me démontre, règlement de compte hier, pulsion meurtrière. Mon meilleur pote est dans le stove pour un sac de VR. Il est toujours assis sur les marches de son garage. Il ne sait plus qu'en penser de sa vie, pourquoi il a la rage. Mais la porte s'ouvre, son père s'assoit. Ensemble il prie et pleure comme autrefois. Je sens la colère qui baisse, la prière m'apaise, m'apaise. L'amour de Dieu me met à l'aise. Je me lève, vais voir mon pote à l'hosto. J'ai jeté ma barrette et me sens bien dans ma peau. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour trois fois saint. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour trois fois saint. Relève-toi. Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la troisième et dernière édition La Voix de l'Amérique pour jeudi mardi 11 février 2014 là. Édition Savine Genon depuis studio 11 là, dans Washington DC, capitale des États-Unis. Moi c'est Serge Boudéguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Et grand point de voie développé après-midi à Jean-Pierre. Président américain Barack Obama recevra président français à François Hollande dans la Maison Blanche jeudi à et au bain en conférence de presse conjoint. Envoyé l'ONU à Kigarabla, l'acte d'Abrahimi, faire connaître Chita Kosi en délégué gouvernement syrien à composition, hein, difficile en pile et au pas fait en pile progrès. Et puis Haïti, deuxième phase de dialogue inter-haïtien commencé jeudi à avec présence président haïtien Michel Martelly. On a bien détail sous ça que tu dis dans le journée ça, dans le journal. On a commencé avec une nouvelle concernant la visite du président français aux États-Unis, Jean-Pierre Loire. Eh bien, président américain Barack Obama chante louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, l'État a accueilli président français François Hollande dans la Maison Blanche jeudi mardi. Monsieur Obama dit alliance qui m'a connu deux pays au plus solide et plus profond parce que j'en ai taillé pendant 20 ans qui sont passés. Chita parlé qui déroulait jeudi en deux leaders, couvrit dossier nucléaire Iran, la guerre syrie et fort pour combattre terroristes sous continent africain, sans oublier question échange commercial, question économique et changement climat. M. Obama dit, négociation nucléaire avec Iran, c'est une négociation qui poil chita sous aide et effet.
li pas juste plutôt sous les faits monsieur Obama dit n'a cité moins pas quoi qu'est sauté qui existait pendant négociation yo c'est pour qu'on ait si oui ou non les États-Unis pour faire trop concession question c'est plutôt pour qu'on ait si oui ou non Iran pour être capable reconnaître opportunité pour le prouver dans une façon communauté internationale la qu'à vérifier et que l'expert technique est capable confirmer que des matchs nucléaires yo c'est des matchs pacifiques. Beaucoup de pas le président français François Hollande qui a réagi sous déclaration que M. Obama a fait jeudi mardi dans la Maison Blanche hein, sous lien qui existait entre la France et les États-Unis dit c'est un rapport qui chita sur une histoire manche longue. Comme vous l'avez dit, une longue histoire nous rassemble. Elle ne nous a jamais séparés. Depuis Yorktown jusqu'aux plages de Normandie, chacun de nos deux pays sait ce qu'il doit à l'autre, c'est-à-dire sa liberté. Et la France et les États-Unis sont unis aujourd'hui encore pour faire prévaloir ces valeurs. Nous sommes ensemble pour combattre le terrorisme, ensemble pour répondre à la menace de la prolifération des armes nucléaires ou chimiques, ensemble pour résoudre les crises au Proche-Orient, ensemble pour trouver une solution en Syrie, ensemble pour le développement de l'Afrique, ensemble, toujours ensemble, pour lutter contre le réchauffement climatique. Déclaration président français à François Hollande qui trouvait ici à Washington dans le cadre d'une visite officielle et ce premier visite un chef d'État français a fait sous territoire américain depuis l'année 1996. Envoyé l'ONU avec Ligue arabe là, l'Agda Brahimi, fait qu'on ait un chita causé entre délégués gouvernement syrien à opposition contre président Bachar al-Assad là, il est difficile en pile et il n'a pas fait en pile progrès. Réunion jeudi mardi à Genève, c'était deuxième journée dans une nouvelle série chita causé pour faire deux parties. Ils ont négocié, ils ont fait une bataille qui a fait depuis trois l'année établi un gouvernement transition. Dans une conférence pour la presse, M. Brahimi fait qu'on ait un parti à faire couille qu'on ait pour faire négociation ou démarrer. Et il dit faut que tous les deux camps collaborent sans oublier l'autre parti qui est impliqué. M. Brahimi a un plan rencontré vendredi ça avec sous-secrétaire d'État américain Wendy Sherman avec vice-ministre affaires étrangères Rusla Gennady Gatilov. Shirley Temple Black, qui était en main carrière actrice dans Hollywood pendant l'été de Simone toujours, mourit à l'âge 85 ans. Elle était en main carrière, lui, dans l'époque, gros dépression, financière, année 1930, et il était arrivé, créé, qu'est content, la carrière américaine, malgré problème, pays à traversé dans l'époque, ça. Shirley Temple Black, qui a décédé dans une mutuelle lundi, en bas cause naturelle, dans une résidence en privé, lui, qui tout préville San Francisco, dans l'État Californie, d'après, ils ont communiqué, ma famille, publié. Shirley Temple, que le monde te connaît plus bien, à cause cheveux boucles, clic t'es dans tête li et trou beauté li te gen bon figure li te rivé charmé les États-Unis à cause talent chanté et danser mon te ka constaté nan pile film te joué nan moment li te Simone toujours il devine tourner un symbole nan industrie cinéma américain à cause chanté on the good chip lollipop ak danse claquette li kon exécuté à gros danseur légendaire noir américain Bilbo Jingles nan film qui te relé The Little Colonel actrice de Temple Black te recevoir un prix Oscar en 1935 pour qu'aucun contribution n'était portée dans l'industrie art et spectacle ici aux États-Unis. Actrice là était point retraite liée en 1949 à l'âge 21 ans. Dossier santé, en Afghanistan, une fille de 3 ans, tourné premier monde docteur diagnostiqué avec maladie polio, dans la capitale la Kaboul, depuis qu'il a été renversé taliban sous pouvoir, dans l'année 2001. Yon porte-parole ministère de la Santé en Afghanistan fait qu'on est, si fille de là, cap vive dans la partie l'Est Kaboul, paralysé yon bo après le fin trapé maladie, ça. Maladie polio, c'est une maladie qui est infectée en pile, et li, capable paralysie, irréversible. Et Afghanistan, Pakistan, Nigeria, c'est seuls trois pays côté maladie ça toujours présent. Polio t'est subi une baisse en Afghanistan. Cependant, responsable médical yo t'est recensé 14 cas dans l'année 2013 là. Ministère de la Santé a fait qu'on est l'état en main une campagne vaccination dans la capitale là, une façon pour contrôler carré dernier cas maladie polio enregistré dans le pays.
Dans les actualités internationales, l'autorité américaine qui a annoncé jeudi l'arrestation de 24 personnes après démantèlement d'un cartel drogue qui est associé à deux gros groupes mafia. Responsable qui baille détails sur l'opération infiltration dans une conférence tête ensemble dans ville Rome, pays Italie, fait qu'on ait un nouveau réseau contrebandant et connecté à une organisation Ndrangheta qui est basée dans Calabria, extrême sud-ouest de la péninsule italienne, avec la famille crime organisée Gambino qui établit dans New York lui-même. Alliance a été impliqué dans fait exportation cocaïne sorti dans l'Amérique du Sud pour aller ici, pour entrer ici aux États-Unis. On a arrêté et tombé en bas trafic drogue avec lien serré avec organisation mafia. Les États-Unis semblaient lis sur route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, député républicain John Boehner, dit jeudi, il pourrait le permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable de prêter, qui donc gouvernement pourrait le capable de dépasser plafond dette 17 trillions 300 millions de dollars qui en vigueur journée jeudi, sans qu'un républicain pas fait aucune exigence sur ça. Nouveau président réserve fédérale des États-Unis, Janet Yellen, fait qu'on est un décideur politique américain, yo, bien capable, réduire appui direct, contre bah, l'économie américaine, nan, mois qu'a fini, yo, yon façon, pour pigou économie mondiale, là, continuer prendre j'arrête. Madame Yellen dit, jeudi, mardi, banque centrale, là, pral, continue réduit, dans plusieurs milliards de dollars, les qu'on habitué dépenser pour acheter bon sous-marché, cependant, il pas dit qu'il est, après le fait. Réserve fédérale, là, déjà réduit, à chaque 85 milliards de dollars, les qu'on a fait, dans sens, pour mettre le coup, à 65 milliards de dollars kounia. Eh bien, c'était très actualité internationale là sur la Voix d'Amérique qui était branchée. Nous prenons tout de suite avec nouvelles concernant le pays d'Haïti. Ou même qui a fait des demandes visa, attention à moun qui a dit que vous avez aidé à joindre un visa. Ou qui victime fraude, ça y aurait les raquettes. Et fraude, c'est un gros crime. Bayon concile faux documents. Ou soit document pas ça, ka fait que yo annuler demande visa et ou ka pa jam ka aller aux États-Unis encore. Ambassade américaine pa gen relation spéciale ak aucun monde ou soit businessman ka pofri service dans affaire bay visa. C'est consul nan ambassade là seulement qui bay visa. Pa jam blié, li nan avantage pa ou pour bay vérité, le wap rempli formulaire yo. Et les wap parlé avec consul. Ambassade là a travaillé ensemble avec la police, ensemble avec Archives nationales pour combattre fraude. Nous ka joindre bon document dans archive ak l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou, li ka fè ou joindre yon visa. Ou doit faire nous konn ça sans perdre du temps. Mais adresse électronique côté ou ka écrit nous. PAP FRAUD@state.gov. Si vous voulez bonjour information sous affaire visa, ou abjoignez-ni sous site ambassade là, nan www.haiti.usembassy.gov. Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, commencé jeudi à la Hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques après rencontré avec le président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui était joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Georges, membre bloc parlementaire pour équilibre politique PEP, qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique, dialogue là après poursuivre jusqu'à présent sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Nous pas qu'on finit, parce que nous, la deuxième partie journée, à côté, à continuer avec discussion sur une thématique là, qui c'est bonne gouvernance, et surtout sous affaires qui capable d'inspirer confiance. Nous songeons, dans chute à temps de gagner entre les parties, il y a de gagner de l'idée, ou bien un gouvernement d'ouverture, ou bien un gouvernement de consensus. C'était mon troisième idée, c'est des partis qui eux-mêmes souhaitaient que gain confiance en dans gouvernement cadre là pour faire élection, mais eux-mêmes n'ont pas besoin de participer. Et gouvernement lui-même, la façon que le réagit, lui montrait que
il n'y a pas vraiment de problème avec un gouvernement d'ouverture, contrairement à un gouvernement de consensus là. Mais je qu'on y a là, il y a censé regarder qui ça que il y a dû faire pour inspirer confiance. C'est ça à parler là. Qui est l'élément il y a dû travailler sur pour être capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la classe politique pour il y a capable de participer dans l'élection, pour il y a capable de sentir il y a à l'aise. Donc, discussion il y a censé continuer et c'est juste